J'ai connu Tremplin parce qu'il fait partie du programme de formation de notre fédération. Nous avons donc la chance d'avoir un catalogue bien complet et cette formation était donc proposée. Pour ma part, j'avais le souhait de réfléchir à mon évolution professionnelle. Bon, il s'est avéré que lorsque je suis venue voir Catherine Chemière, j'avais donc exprimé mon souhait par rapport à cette formation. Il s'est avéré, lorsque je suis arrivée à la formation, que j'étais enceinte de 3 mois et demi. Donc mon objectif, lorsque je suis venue à Tremplin, en étant justement à 3 mois et demi de grossesse, c'était avant tout de me dire, il faut que je prépare mon départ avant ce congé maternité et mon retour. Donc ça a été vraiment une période riche de par les découvertes et les échanges avec les femmes Tremplin. Alors la formation, je me souviens que le premier jour, je me suis dit, mais avec quelle personne je vais travailler, être en formation. Donc c'était vraiment la découverte des autres femmes tremplin. C'était également pour la première journée se fixer des objectifs, c'est quelque chose qui m'était important. Également, deuxième journée, c'était plus maîtriser, on va dire, sa capacité à changer. C'est vrai qu'on a certaines résistances. La troisième journée, c'était plus, on va dire, développer son assertivité, savoir effectivement évoluer aussi et se mettre en marche à ce niveau-là. Et quatrième journée, c'était vraiment penser à l'avenir et concrètement, qu'est-ce que nous allions faire. Et tout ça dans un échange bienveillant avec d'autres personnes. Alors j'avais un a priori plutôt positif, je me disais, bon, je vais venir me former. Et en fait, ça a été bien au-delà, ça a été une découverte de personnes, donc des belles personnes, des femmes qui avaient aussi envie d'évoluer. C'était surtout cet échange qui a été, à mon avis, très fructueux. Alors les points forts, c'est à mon avis la méthode qui est à la fois de travailler chez soi et d'être également en groupe pour échanger, d'avoir des témoignages de femmes remarquables. Et également d'avoir cette étape, on va dire, dans la vie. Donc je dirais que c'est un point fort d'avoir cette formation tremplin à un moment de la vie où on a envie aussi d'évoluer. J'ai pris conscience que je pouvais avoir confiance en moi. Donc je crois que c'est le point fort de cette formation aussi. Ça a comblé aussi un besoin que j'ignorais, c'était à la fois de bien concilier à la fois la vie professionnelle et la vie familiale. Et le fait d'échanger, ça donne aussi confiance en soi. C'est vrai que la première journée, j'ai vraiment apprécié de se dire, tiens, voilà mes points forts, et pourquoi ne pas échanger? Et d'ailleurs, on a créé une base de données sur ces compétences. Alors déjà, au niveau bénéfice, je crois que je ne serais jamais venue témoigner devant une caméra il y a quelque temps. C'est vrai que c'est un point déterminant, je dirais, dans mes changements. C'est également une approche différente. Je crois que c'est vraiment changer d'état d'esprit. C'est peut-être pas concret, mais je pense que c'est une mise en marche avant tout. C'est aussi apprendre à avoir plus de temps en qualité avec les enfants et peut-être moins en quantité. Je crois qu'avant tout, c'est cette prise de conscience qu'on peut y arriver, même en n'ayant pas forcément fait des études très longues. Ça, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur. Je crois que c'est aussi une étape dans la vie. Et voilà, donc maintenant c'est une mise en marche pour moi parce que c'est vrai qu'il y a eu ce congé maternité. Et le fait de l'avoir fait avant tremplin, avant effectivement cet arrêt maternité, c'était important pour moi. Quand je suis arrivée en formation, en fait, c'était surtout, bon, je veux me donner un objectif par rapport à l'entreprise, par rapport à l'association et la fédération où je travaille. Et finalement, ça a eu des répercussions sur ma vie personnelle aussi. Et du coup, je me sens beaucoup plus libre par rapport à mon milieu professionnel. Et ça me donne une ouverture et une capacité, à mon avis, à évoluer prochainement. Alors, directement par rapport au bilan de compétences, je dirais que c'est avant tout une dynamique de groupe. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette possibilité-là en bilan de compétences. Bilan de compétences, on essaye de voir ses atouts. Tremplin, c'est vraiment la mise en avant de ses atouts. Et en plus, avec une dynamique de groupe et l'échange avec d'autres femmes.
Alors, ce que j'aime à croire, c'est que c'est peut-être le fait d'avoir eu ce congé maternité qui me donne un certain charisme, ou je dirais plutôt une prise de recul, une maturité par rapport à ce que je faisais avant. Donc, je dirais que c'est plus dans cet esprit-là. Et ça me va bien. Je dirais que c'est pas parce que j'ai fait tremplin, c'est une démarche personnelle. C'est avant tout parce que ça s'est mis en route au bon moment. Alors je pense que ça perdure, c'est en continuité. C'est vrai que je suis une personne plutôt en démarrage doux, c'est-à-dire qu'il me faut un peu de temps pour prendre conscience de tout ce qui m'a été donné et de tout ce qui m'a été offert durant cette formation. Donc la mise en marche est là, maintenant il faut que j'en collecte les fruits. Alors je suis dans mon activité depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que j'ai eu la possibilité d'évoluer. Je me dis que finalement, en ayant fait tremplin, ça m'a donné aussi d'autres ouvertures. Donc je suis à l'écoute, je suis aussi dynamisée par cette formation. Et donc, je dirais que par rapport à mes responsables hiérarchiques, je suis aussi prête à donner toujours davantage et aussi à me mettre en marche s'il fallait soit concilier une formation complémentaire, un changement peut-être aussi de métier. Je suis tout à fait ouverte aux changements possibles. Je dirais qu'il y a un avant tremplin et un après tremplin. Et là, on prend toute la mesure justement de cette formation.